était rigolo, celui-là. Oh oui, les bonhommes de neige qu'on avait fait chez grand-père. Celui de Mistouflet était vraiment amusant. Et là, c'est le jour où tu es parti avec Grognard. C'était très dangereux ce que vous aviez fait. Tu t'en souviens? Ah oui, Mistouflet. Oh, raconte-nous encore cette histoire. Steve! Hey, tu m'as eu par surprise. C'est pas du jeu. Attends que je t'attrape. Tu peux toujours essayer. Romarin, venez voir. Et voilà, vous qui sont fartés. Allez donner un coup de main à Consigna. Elle prépare vos valises pour demain. Merci, papa. J'ai hâte de voir grand-père Théo. Dans sa lettre, il dit qu'il a une surprise pour nous. Je me demande ce que c'est. Toi, tu dois sûrement le savoir, hein, papa. Allez, dis-le, dis-le, papa, dis-le-nous. Règle numéro 2 du bon skieur. Restez toujours fléchis sur les jambes et penchés vers la pente. Ben dis donc, t'en connais des trucs sur le ski. Et on fait quoi pour tourner? Très facile. Tu plantes bien le bâton, tu mets tout le poids du corps sur ta jambe et le plus important, tu ramènes ton ski à la position... Oh, ah, ah, oh. Regarde, t'as niché dans un état lamentable. Allez, debout, remue-toi un peu. Les enfants vont arriver d'une minute à l'autre. C'est reparti. Encore les hurlements, les bruits, les bobos. Dis donc, tes réflexions, tu peux les garder pour toi. Au moins avec les enfants, tu vas faire un peu d'exercice. Ça te fera le plus grand bien, d'ailleurs. Non, mais regarde-toi un peu. Depuis qu'il t'est arrivé cette histoire, tu ne fais plus rien sinon passer tout ton temps à dormir. Oh, souviens-toi quand on s'en allait tous les deux faire nos grandes balades, hein? C'était le bon temps. Nom d'un petit bonhomme, mais regarde-moi! J'ai peut-être pris de l'âge, mais j'ai de l'énergie à revendre. Grand-père! Grand-père Théo! Les voilà! Oh-oh! La semaine n'a pas encore commencé et il y a déjà un bras de cassé. Ouh, grand-père! Youhou. Au revoir, papa! Au revoir, Consigna! Allez-vous enfin fermer cette porte? Bye, bye! On vient vous chercher dans une semaine. Et Mistouflet, je compte sur toi. Pas de folie! Regarde, grand-père. Papa m'a prêté son masque. Consigna va tricoter des protège-oreilles. Mon pauvre petit Mistouflet, c'est vraiment pas de veine. Et juste au moment où tu allais faire ton premier slalom géant. Ça me fait rien. Je le gagnerai l'année prochaine. Hé, grognard, on ne t'entend pas beaucoup. Qu'est-ce que... Laisse-le, n'y fais pas attention, Pirouette. Monsieur fait la tête. Il passe le plus clair de son temps vautré, là. Tu vois, il y a quelques mois, il accompagnait un groupe de randonneurs en montagne. Et alors? Alors, ils ont tourné en rond pendant des heures dans la neige, complètement perdus. C'est un jeune chien de traîneau qui les a retrouvés et ramenés au village. Il a eu des médailles, photos, articles dans les journaux. Et depuis ce jour-là, Grognard a décidé qu'il était temps de prendre sa retraite. Il passe son temps à bougonner. Oh. Et maintenant, comme je le disais dans ma lettre, j'ai une petite surprise pour vous. Cette année, je vous ai inscrit tous les cinq pour la grande course. La descente en luge. C'est dommage, Mistouflet ne pourra pas venir avec nous. Vous ne gagnerez jamais sans luge de compétition, c'est perdu d'avance. J'ai raison, non? C'est curieux que tu parles de ça, oui. Je vous ai bricolé une luge, vous m'en direz des nouvelles. Elle est au garage. Allez-y, essayez-la.
Tu ne viens pas la voir avec nous, Miss Toufflet? Non, non. Allez-y sans moi. Je suis fatiguée. Tourne à droite. Vas-y, prends la cour. Je suis content qu'elle vous plaise. En fait, c'est le vieux traîneau de Grognard que j'ai simplement modifié. Tenez, c'est vous, là? Oh, merci, grand-père. Mais enfin, où as-tu trouvé ça? Ça fait un boucan terrible. Je l'ai trouvé au garage. Ça s'appelle une trompe. Grand-père m'a dit que les randonneurs l'utilisent quand ils se perdent. C'est chouette comme son, hein? Tu devrais aller voir la luge, Miss Toufflet. Elle est super, tu sais. Imaginez un peu si on gagne la course. Vous savez, l'important demain, ce n'est pas de gagner, mais de vous amuser. Et d'ailleurs, les petits, si vous voulez être en pleine forme pour la course, c'est l'heure du lit. Bonne nuit, grand-père. Oh, dindon de lion! C'est la rose des neiges, une pierre très rare qu'on trouve uniquement sur le mont des Trois Sapins. Les gens d'ici prétendent que c'est une pierre magique. Elle est magnifique. Je n'ai jamais réussi à en trouver une. Regarde, j'ai fabriqué cet écrin pour elle. Si je réussissais à convaincre Grognard de m'accompagner, alors je repartirais pour en chercher une. Ah oui, et peut-être que cette fois la chance me sourirait. Voilà, le mont des Trois Sapins. Oh, que c'est lourd! Miss Toufflet, prépare-toi. Je n'en ai pas pour longtemps. J'emmène tes frères et sœurs sur les pistes et je viens te chercher. Nous irons faire une promenade. Oh, non, grand-père, va faire du ski avec eux. Moi, je reste ici et je vais lire. De toute façon, vous allez revenir ici avant la grande descente. Bon, c'est comme tu veux. Dans ce cas, je te le confie, Grognard. Prends bien soin de lui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dents de lion. Bon, alors, si mes calculs sont exacts, on peut être là-bas en 2 heures. Ça nous laisse suffisamment de temps pour redescendre avant leur retour. Debout, allez, dépêche-toi, on n'a pas de temps à perdre. On va aller chercher la rose des neiges. Oh, grand-père sera tellement content. Tu peux toujours courir, tu iras chercher ta pierre tout seul, mon petit. Souviens-toi, moi je suis à la retraite. Grand-père a sûrement gardé ton vieux traîneau. En le graissant un peu, tu pourras me tirer plus vite. Je pourrai quoi? Faites attention, les pistes rouges sont très difficiles. Non! Je t'ai dit non. Et moi, je t'ai dit oui. Grand-père t'a bien dit que tu devais me surveiller. Et s'il apprend que tu m'as laissé partir seule, ça va barder, je t'en donne ma parole. Mais
C'est du chantage. Ça, c'est sûrement la luge pour la grande descente. Mais où il est, le vieux traîneau de grognard? Ah, le voilà. Et voilà. Quand on aura atteint le sommet, tu tourneras à droite. Mais avant, il faut qu'on traverse un petit lac. Oh, j'en peux plus. J'ai mal partout, j'ai les jambes en compote. Vous ne croyez pas qu'on devrait tester la luge avant la grande descente? D'après moi, la concurrence va être rude. Allez, venez. Un bon goûter va vous remettre d'aplomb. Estouflet, on est là. Tu ne t'es pas trop ennuyé tout seul à la maison? Nous sommes allés nous promener. Nous serons de retour à 4 heures. Estouflet. Bien, très bien. Il a réussi à faire bouger Grognard. C'est un véritable exploit. La luge! La luge a disparu. Oh. Oh. On n'y arrivera jamais. Et tu sais, grand-père va sûrement s'inquiéter. Moi, je vote pour rentrer. Allez, viens, on est près du but. Et de toute façon, tu ne peux pas me laisser là maintenant. Soyez sans crainte. Vous savez bien que votre frère sera de retour à temps pour la grande descente. Alors allez tous les quatre sur la ligne de départ. Moi, je l'attends et dès qu'il arrive, je vous apporte la luge, d'accord? À cause de lui, on n'aura même pas le temps de l'essayer. Ah.
ça va? Tu me traînes juste ici contre mon gré. Je me tape les pires montées de la région. Je me retrouve à faire de la patinoire sur un lac à peine gelé. Et tu me demandes si ça va? Et maintenant, je prends les choses en main. Alors tu vas faire ce que je te dis. On rentre à la maison. Pas question. J'ai dit que je ramènerai la Rose des Neiges et je la ramènerai coûte que coûte. Écoute, t'es jaloux parce que tes frères et sœurs vont faire de la luge et pas toi. T'es jaloux parce qu'ils vont faire du ski et toi tu ne peux pas. Et c'est pour ça que tu veux ramener la Rose des Neiges, juste pour te faire remarquer, c'est tout. Et toi, tu n'es que vieux chien grincheux. Et si tu t'imagines que j'ai besoin de toi pour rentrer, tu te mets le doigt dans l'œil, crois-moi. Il va m'entendre, celui-là. Si on perd, ça sera bien de sa faute. Oh, Dent de lion! Jaloux? Moi? Oh ben ça alors, c'est la meilleure. Est-ce qu'il y a encore? Tout ça, bien sûr, pour que j'aille le chercher. S'il croit qu'il va m'avoir une deuxième fois. Grognard, au secours! Surtout pas. Oh, 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 je crois que je vais tomber. Dis donc, tu es un super acrobate. Je suis désolée. J'aurais pas dû te forcer à venir ici. T'avais raison. J'étais jaloux. T'en fais pas pour ça. Je suis sûr que j'aurais réagi comme toi à ton âge. T'aurais fait comme moi? Sauf que moi, je n'aurais pas eu le courage de monter aussi haut que toi. J'aurais rebroussé chemin bien avant ça. Mais tu m'as vraiment étonnée. Pour un chien à la retraite, t'es encore en super forme. T'es aussi le plus patient et le plus courageux des chiens de randonnée. Et moi, Mistouflet Passiflore, je te remets la médaille du monde des trois sapins. Quand grand-père va apprendre qu'on a traversé le lac gelé et que j'ai failli tomber dans la crevasse, il va nous passer tout un savon. Tu sais garder un secret? Alors, ce sera notre secret à tous les deux. Mon flair de vieux randonneur me dit que le vent s'est enfin calmé. Alors, on rentre? Bienvenue à la grande descente en luge. Aujourd'hui, 23 concurrents vont vous faire vivre des moments passionnants. Ça va bientôt commencer. Les frères Mirabel. Nom d'une cacahuète! On ne peut pas hiberner en paix. Quelle toupet! On n'a pas idée de déranger des écureuils en plein hiver. À l'attaque! Oh,
Elle est là. Je connais un raccourci. En un quart d'heure, on peut être là-haut. Tu te sens prêt à ça? Et comment? Allons-y. On ira plus vite à pied. Je vais mettre le traîneau à l'abri. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la luge pour la compétition! Oh, vite! Il faut la ramener! Oui, mais et la rose des neiges? Cette pente à toute vitesse! Il faut qu'on arrive à passer! Plus facile à dire qu'à faire! Et maintenant, mesdames et messieurs, applaudissements! Là-bas, c'est la ligne de départ! Ils ont vu que j'avais pris la luge. Ils ont dû décider de rester au chalet. Au grognard et tout ça, c'est à cause de moi. Mais c'est lui! C'est Dandelion! Je vous raconterai. Dépêchez-vous, ils vous attendent sur la ligne de départ. Oh non. On dirait que cette luge a décidé de prendre sa retraite, hein? Sa retraite? Oui, bien sûr. Vous faites partie de l'organisation, je crois, non? Mon petit-fils a disparu. Il faut faire des recherches. Et maintenant, voici les enfants passiflores. Mais qu'est-ce que c'est que cette fleur? Je viens de parler à l'organisateur. Vous avez été les plus rapides, mais vous êtes disqualifiés. Votre luge n'est pas réglementaire. C'est pas grave. On s'est tellement amusé. On a trouvé la luge la plus fantastique de la région. Dites donc, vous deux. J'ai l'impression que vous avez un tas de choses à me raconter. On s'est drôlement amusé. Et alors, Miss Soufflet? Et c'est alors qu'on l'a vue, au sommet de la montagne. Mais c'est là que je me suis aperçue que j'avais pris la mauvaise luge. Alors on est redescendu très vite. Vous avez été très imprudent. C'est très dangereux là-haut, tu sais. Oh, mais on n'a eu aucun problème, je t'assure. Pas vrai, grognard? Et voilà. Je n'ai donc pas réussi à te ramener la rose des neiges que tu aimes tant, grand-père. Tu sais, je suis touché que tu aies voulu m'offrir la rose des neiges. Mais le plus merveilleux cadeau que tu pouvais me faire, c'est de me ramener grognard en pleine forme. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si tu en es encore capable, mais moi, je retournerai bien la chercher avec toi, ta rose des neiges. Tu es sûr? Tu ferais ça?
Hé, l'ami, tu crois que je vais passer mon temps assis ici à te regarder dormir? Et peut-être bien qu'on va enfin réussir à la trouver, cette rose. N'oublie pas, grand-père, l'important, ce n'est pas de gagner, mais de s'amuser.